Hey, salut tout le monde, c'est Colenso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur StarCraft Mass Recall. Et j'espère que vous êtes prêts, on continue notre campagne Zerg. Et donc, on est parti pour The New Dominion. Donc, le nouveau Dominion, hein, littéralement. Donc voilà, après un temps de chargement très court, on se retrouve sur notre planète Char et on va entamer notre briefing. Donc là, ça va être encore une défense de Chrysalide, il me semble. Mais la Chrysalide, on va plus la trimballer longtemps, rassurez-vous. Craignez le pouvoir de ce qui n'est pas encore né. Ok, donc là, il fait un truc métaphorique avec des belles lettres. Ce qui est bizarre pour un Zerg. Voilà. Donc là, les ennemis ont détecté les émanations psychiques de la chrysalis. Engage the Terran forces with care. Your priority is to protect the chrysalis at all costs. Voilà, donc il nous dit de faire gaffe quand on engage les Terrans, car notre objectif principal reste tout de même de protéger la chrysalide. Donc voilà, vous aurez remarqué, je dis chrysalide ou chrysalis parce qu'en anglais ils disent chrysalis. Et qu'en plus, bah forcément, là, les deux mots français et anglais sont très très proches, donc ça m'arrive de faire une confusion et de dire l'un à la place de l'autre ou l'autre à la place de l'un. Alors donc, comme d'habitude, on lance une magnifique petite économie et on envoie la sauce. Voilà, donc là, ils sont en... Voilà, donc là, on la voit mieux. Chrysalide mature, avec quelques défenses. Les seigneurs, on va les foutre là et ils seront bien là derrière. Parfait. Y a quoi par là? La petite question qu'il faut se poser des fois. Donc assez vite... on va assez vite causer des défenses, je pense, histoire d'être tranquille. Ah ok, donc ici c'est comme ça. Il n'y a pas l'air d'avoir de... Je sais pas si on a une B2 quelque part, on va voir. Petite base secondaire, ce serait pas mal. Ah, il faut que je défende ici pour qu'il puisse pas monter, parce que sinon il va m'en faire une. Ah ouais, c'est assez vaste quand même comme zone. Hop, l'extracteur. Ah ouais, c'est hyper vaste en fait. Va falloir que je me constitue un groupe d'assaut assez vite, je pense. Ouais. Ah, mais on a une B2 par là, c'est intéressant ça par contre. On a une B2 qui est protégée, donc il va falloir amener un groupe d'attaque pour pouvoir récupérer les ressources. Ok. Donc les améliorations peuvent attendre un peu, je pense. La priorité, ça va être de faire des nouvelles unités assez vite, tout de même. On va leur dire d'aller là, d'ailleurs. Donc là, on va ramener notre seigneur au dominant, comme vous préférez. À mon avis, il est possible qu'il y ait des gens qui ont joué à StarCraft 2, mais pas forcément au premier, qui me regardent. Donc pour eux, dominant, ça leur parle peut-être plus. Oh, c'est bon, on m'agresse pas. Alors, des overlords, on va en faire. Enfin, donc là, je suis déjà bloqué par les ressources. Donc, il faut que j'ai une meilleure économie parce que là, celle que j'ai actuellement est pas assez productive, on va dire. C'est bon, j'ai compris, arrête de m'agresser. Voilà, donc après, on ira se prendre la B2 assez vite. Que si on nous met une B2, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des ressources assez rapidement pour pouvoir submerger l'ennemi sous le nombre. Mais on va quand même essayer de faire entre guillemets un petit groupe de commandos. C'est bizarre pour les ergs, mais bon, c'est possible. Et le but, ce sera de... Parce que je sais qu'il y a des tanks sur cette mission.
Et quand on joue Zerg, des terrans avec des tanks en face, c'est la vraie plaie. Donc il va nous falloir des mutalisques et des hydralisques. Les hydralisques nous font le fer de lance et les mutalisques nous servent à démonter les tanks et les tourelles en fait. Surtout les tanks. C'est pour ça que là j'améliore mes hydralisques d'ailleurs. Ah déjà... Je m'attendais à ce que ça attaque un peu plus tard tout de même. Voilà, donc là c'est pareil, il faudra que je fasse rapidement une deuxième couveuse, sachant que du coup j'en aurai une troisième ici après. Voilà, donc là on va se dépêcher d'aller investir les lieux là-haut. Parce que tant qu'à faire une deuxième couveuse, autant qu'elle rapporte des ressources. Ok, c'est bon. Ok, donc on n'aura pas trop de risques ici, ça c'est plutôt pas mal. Donc là on va pas faire comme sur la mission précédente à foutre des défenses partout. Là justement on va essayer d'en placer le moins possible. Quand on place des défenses il faut que ce soit efficace. C'est vraiment la priorité, là il faut que les défenses soient placées efficacement. Donc les forces, il faut qu'elles soient quelque part entre les deux, là, pas trop loin ni de l'une ni de l'autre, histoire de pouvoir intervenir assez rapidement tout de même. Donc il va nous falloir un terrier bien entendu. Et il nous faudra rapidement d'autres overlords, histoire de pas être dans la merde. Ouais. Tac, tac. Donc là, faut que je continue à produire des ouvriers, je vais avoir besoin. Voilà, comme ça, après ici, je pourrais me sortir une aiguille qui me permettra de faire des hydralisques. Des mutalisques, pas des hydralisques, je dis des conneries, moi. Ah voilà, ça y est, c'est la riposte, ça va être le bazar. Ah, puis alors il y va pas en douceur. Hein. C'est exactement pour ça qu'il fallait que je produise rapidement une deuxième ruche. Enfin, une deuxième couveuse. Parce que là, vous voyez, en plus, il y a plusieurs accès sur mes bases. Donc, si je prévois pas un minimum de défense, ça va être compliqué à gérer. Ok, alors là. On va en prendre deux, on va les mettre là. Lui là-haut, que des constructeurs pour l'instant. Pendant qu'en bas, il va nous produire de l'hydralisque à fond. Et un ou deux constructeurs quand même, pour pouvoir faire une aiguille. Voilà, ça c'est bien. Et il va me falloir aussi un... Comment ça s'appelle? Voilà, une chambre d'évolution, pour faire nos améliorations. Donc il va nous falloir plus de mutalisques, mais ça je pense que vous l'aviez deviné. Et là, on va se faire une vraie ruche qui va envoyer du pâté. Alors ça, c'est la détection. J'adore parce que c'est améliore la détection des overlords. Alors qu'en fait, ça débloque l'amélioration théoriquement, ça. Voilà, après là, je crois que ça suffira niveau constructeur. Hop. Et l'aiguille n'est pas sortie encore, malheureusement. Allez, c'est parti. On va commencer à produire de l'unité. Quand tu veux, l'aiguille, on attend que toi. Voilà, donc là, on prépare la population, mais ça, vous l'aviez remarqué. Voilà, donc là, notre aiguille est sortie, et on va passer en mode attaque. Ah,
Ah là là, on a une économie assez forte pour pouvoir produire beaucoup d'unités, on va pas s'en priver. Et vu qu'il faut produire de l'unité, une autre couveuse, ça va être indispensable. Donc, bien sûr, hop, instruction de sortie, parce qu'il le faut. Et on va les linker, nos couveuses. Voilà. Là, on va être pas mal. Voilà, donc si jamais ici vous voyez la durée qui défile, ne suivez pas ce truc-là, parce qu'en fait, ça n'indique pas la durée réelle. Comme je joue en rapide, ça veut dire qu'en fait, ce que vous voyez là, c'est pas le bon chiffre, sachant qu'en rapide, les secondes défilent plus vite. Et je le mets en rapide parce que les vrais savent, les vrais jouent en rapide. Et là, les Marines vont se faire défoncer. Ça va être magnifique. Voilà, ça c'est fait. Là, il faut vraiment que je fasse masse mutalisque. C'est ce qui marche le mieux sur cette carte. C'est ce qui marche le mieux. Masse mutalisque avec des hydralisques derrière, histoire de soutenir un minimum. Parce que bah, faut avouer que les hydralisques sont plus résistants que les mutalisques. Voilà. Ici, on va refaire 2-3 overlords histoire de pas être supply block. Hein, parce que vous voyez, on arrive près de la limite. Donc là, toutes nos couveuses, on va leur donner l'ordre d'en faire un ou deux. Et comme on a beaucoup de couveuses, ça va le faire. Voilà. Evolution complete. Donc là, c'est où? C'est là. Hop. Voilà, c'est parfait. Ici, dès que je pourrai, je vais lancer la deuxième amélioration. Comme ça, si nos unités attaquent plus fort, on s'en sortira mieux quand même. Alors ici, hop. Ici, on va combler la population le plus rapidement possible. Car on va plutôt faire des hydralisques, ça consomme moins. Que j'ai l'impression que le gaz, là, ça suit pas. Mais bon, a priori, je devrais avoir assez d'unités pour balancer un assaut bientôt. Le but étant vraiment de broyer les structures terrain, en fait. Et un truc qu'on peut faire aussi, c'est... voilà, c'est ça, carapace pneumatique. Ça permettra d'utiliser les overlords pour scouter. Tous les overlords qu'on aura en trop, on va les utiliser pour scouter, ils nous seront utiles. Alors, hop, deuxième, on va le mettre là, il nous sera utile. Enfin, en fait, là, c'est les améliorations que j'ai lancées à la chaîne qui m'ont mis dedans, mais bon, ça, c'est pas très grave. Voilà, donc vous voyez, avec les forces qu'on a déjà, ça fait bien le ménage. Et ça va pas s'arranger. Combien d'unités? 44, c'est pas énormissime pour des ergues. Il m'en faudrait 50, 70 plutôt même, histoire d'être bien efficace. Et j'aimerais vraiment faire la part belle aux mutalisques, donc... Bon là, vraiment, le plus important, c'est le... c'est l'attaque et pas la défense. Ah, t'es sérieux là? Il a peur d'attaquer mes forces. Surprise! Voilà. Ah voilà, ça y est, il l'a. Donc je vais pouvoir aller regarder ce qu'il y a un peu plus loin. Alors, on a quoi par là?
Ok, des ennemis. C'est pas vraiment une surprise, hein, mais bon. Ah, ça c'est pas sympa, il y a des mines araignées par contre. D'ailleurs, en termes d'amélioration, on va faire ça pour qu'ils puissent détecter plus loin. Là, on a pas mal d'unités, on va commencer à réfléchir au niveau de l'attaque. Voilà, donc ça... C'est précisément pour ça qu'on a fait les mutalisques. Hein. Ah, vous faites quoi? À l'attaque, le char. Wow. Voilà, donc c'est pour ça. Voilà, donc là, le nœud défensif, c'est ça, là. C'est la masse de tank qu'il a mis là. Faut faire gaffe aux tourelles aussi. Surtout pas se laisser déborder. Alors... Ouais, bah oui, forcément. Ah, il m'a fait un drop, l'enfoiré. Bon, après, la deuxième base est pas très... Bon, bon, on va s'acharner sur la base, hein. De toute façon, moi, j'arriverai à défendre, pas lui, donc... Ah, vous faites quoi? Regroupez-vous! Ah ouais, d'accord, c'est les... Ouais. Les ombres d'abord. C'est vraiment ça qui fait chier. Ok. C'est bon, ils sont calmés. Je vais pouvoir les achever chez eux, donc voilà. Ça, c'est la petite chose à craindre, c'est de se faire attaquer pendant que soi-même on attaque. Parce que du coup, on a vraiment du mal à réagir. Donc, il faut surtout pas se laisser déconcentrer. Ici, on va même faire en sorte qu'ils puissent pas ressortir d'autres unités. Parce que sinon, là, je sens qu'il va pouvoir casser mon attaque et ça, ça me plaît pas. Ok. Alors, ce qui est dangereux, c'est les ombres. Bon. Là, le truc, c'est que les marines, s'ils les sortent souvent, faut pas se laisser distraire. Voilà, parfait. Ici, on lui a déjà cassé son truc, donc il pourra plus nous embêter. En tout cas, pas de manière efficace. Ici, on va refaire des unités au cas où, mais je pense qu'on est tranquille. Mais du coup, comme on lui a cassé son centre de commandement, il a normalement plus de VCS. Il devrait plus être capable de nous embêter, là, normalement. Donc là, on a juste à chasser ces, ces bâtiments. Hein. On les détruit les uns après les autres. Il a refait un tank. Je vois pas l'utilité de refaire des tanks, là. Non mais cherche pas, t'es mort là. Ah bon, on les place au-dessus, ils vont se débrouiller après les mutas. Impeccable. Voilà, on a été mis un peu en danger mais vite fait, parce qu'on a, réagi correctement. Cerebrates, do not pursue them. Cerebrates, you must stay and relocate the chrysalis to a more secure location. Dagoth shall deal with the remaining Terran forces.
Ok. Bon, donc là, on allait les poursuivre et puis ils ont dit non, on les poursuivait pas. C'est Dagoth qui va s'en charger, donc voilà. Nous, on s'en fout. De toute façon, le boulot est fait. Voilà, donc ils mettent 25 minutes, c'est probablement moins hein, finalement. Hein. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, ne vous fiez pas à cette durée. Moi, ça m'est arrivé de me faire avoir plusieurs fois. Bon, et bien sur ce, c'était Colenso des Connected Warriors Entertainment. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un excellent pouce vert en l'air des familles. Bien sûr, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Ça nous fait toujours plaisir et ça vous permet, vous, de ne pas louper les vidéos qui sortent. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, Google+, et à passer sur notre site. Ça nous fera toujours plaisir. Sur ce, c'était Colenso des Connected Warriors Entertainment. Je vous dis à plus.